bienvenue sur Rose Jeu, ici Sarah et aujourd'hui je suis avec Pauline Amour. Salut. Tu as droit à Amour parce que vraiment je suis trop contente que tu sois là avec moi. Surtout pour l'activité qu'on va faire aujourd'hui. On va déguster des... c'est pas vraiment des sucreries parce qu'il y a un peu de sucré, de salé, il y a des boissons, voilà. Qui ont été choisies par mon amie Carmela que je remercie avant tout puisque c'est elle qui a concocté cette petite boîte surprise. Je vais vous montrer la taille du truc. Vous avez vu la taille du truc là, il occupe carrément tout l'écran. Voilà. Voilà, c'est une grosse boîte avec plein de nourriture surprise donc je ne sais pas trop ce que c'est. On va tester. Si vous connaissez un petit peu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà mangé ce qu'on va manger aujourd'hui. Je ne mange jamais ce type de choses donc j'ai hâte de découvrir. J'espère qu'on va pas finir à l'hôpital pour une indigestion. Bah, tu pars bien positivement, en tout cas ça donne envie. Hein. Sur ce, moi je vais plutôt aller par là voir si... parce que bon, non, on a même pas encore bouffé un truc, elle part déjà d'aller à l'hôpital. On va souffrir ensemble. Non mais franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre parce que, dernière petite anecdote, Carmela m'a donné la boîte avec un petit sourire un peu machiavélique, tu vois. Donc j'étais là, donc, on va voir. Encore une fois, merci. Hein. Merci Carmela, on t'aime. Donc si vous êtes prêts, installez-vous bien, prenez-vous peut-être quelque chose à manger aussi, comme ça on n'est pas toute seule à manger. Des bonbons. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, vous pouvez. Faites-vous plaisir et profitez de notre malheur ou notre bonheur qui va arriver. Ah ouais, c'est vrai, on parle beaucoup sur du négatif, mais c'est à ce coup on va se régaler. Exactement. Vous pouvez y penser aussi comme ça. C'est possible. On va voir. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Alors, on a un petit setup, donc j'ai mes fameux petits ciseaux pour couper les petits emballages, des serviettes au cas où c'est bizarre, ça inconsistant, je sais pas, je suis prête à tout les gars. Les serviettes en fait c'est ta trousse de secours, ouais, c'est l'équivalent de ta trousse de voilà, secours, s'il y a un problème on a une serviette. Exactement. Pauline, vu que tu es mon invitée, voilà. Je vais te laisser piocher dans la boîte mystère, on va l'appeler comme ça. Alors, vas-y pioche. Moi je regarde pas. Pas non plus, montre. Oh non! Ça a l'air salé là. Ça c'est un truc que t'as commis. Un peu en taille et tout. Je sais pas pourquoi. Parce que vous voyez bien sur le dessin, même moi je suis pas convaincue de ce que ça peut être. Ça ressemble, bah oui, ça ressemble à des Cheetos orange plus solides. On dirait. Oh non, tiens, on dirait des pâtes. Genre tu vois les gros. Enfin, je sais pas comment des ça s'appelle. Des pâtes au goût de Cheetos. Ah, j'ai peur. Franchement, j'ai trop peur, les gars. Mais vas-y, je vais te laisser ouvrir. Ah bon. Faire sauvage. Attention, regarde. Ça va? Ça va. Franchement, c'est une odeur connue. Ça me fait penser à les chips croque paprika oh oui comme ça. Oh, ça sent super bon, je m'attendais pas à ça. Non, non, franchement, c'est bon, ça va. On lui montre, attends. C'est très... presque. C'est quand même chimique comme orange. Hein. T'es prête? Hein? 3, 2, 1. Donc, ça va. Franchement, un peu sucré. Ça pique, hein? Moi ouais. J'ai le goût piquant. Hein. C'est pas trop hardcore, mais moi ça pique quand même. Peut-être bu trop de café, ça pique. Ah non, mon gars. Si. Moi je mange jamais de l'épicé. Moi je te jure que c'est quand même. Attends, moi j'ai envie de boire. Ouais, ouais. Étonnamment. C'est ton deuxième chips. Elle a déjà soif. Ah mon gars, maintenant c'est dans ma gorge, c'est horrible. Non, moi je m'arrête là en tout cas. Du coup, j'allais dire, je suppose que c'est moi qui vais le reprendre, tu l'as. Cadeau. Tu le noterais combien sur 5? Hein, franchement, sur 5, moi je lui mets facilement un 6 ou un 7. Ah non, mais ah ouais. Sur 5. Ouais, carrément, toi. Mais me dis-toi que dans ma tête, ça a mais pas été dit. Mais je me suis dit, ah oh, bah c'est quand même vraiment le non, truc. Sur alors. 5, ouais, franchement, un 3-4 facile. Ok, moi je mets un. Moi je trouve ça bon. Je mets un 2 parce que vraiment c'est trop épicé pour moi. Mais bon, je perds un petit peu. Ouais. Ok. C'est une pause parce que sinon je vais pas faire manger le reste. Ça marche. Est-ce que tu veux boire un coup ou tu veux encore manger un petit peu? Peut-être boire un truc quand même, parce que ça. Pour toi qui. Mais vraiment, c'est que j'ai peur de tomber sur un truc. Attends, ouais, on sait pas ce qu'on va boire. C'est à ce qu'on va boire un truc qui va nous donner quelque chose de pire en bouche que de mieux. Je vois des trucs, je vois des trucs de blé. Attendez. Donc, ça, c'est la boisson. Une boisson avec du blé comme ça. Je sais pas c'est quoi. Bah écoute, on va goûter. Franchement, j'ai un peu peur. Je me demande c'est quoi. Attends, je vais ouvrir. On va essayer d'ouvrir. Oh! Oh, dis, arrête non, hein! Tu m'inspires pas. C'est mais... l'odeur de la campagne. pas le purin de vache, mais l'odeur ouais, des foins de campagne. Mais oui, mais une boisson ne devrait pas sentir ça. Bah, une boisson, ouais, comment est-ce qu'une boisson peut sentir la campagne en entier, comme ça, dans toute sa complexité. C'est quand même, c'est vrai que c'est... Waouh. Et en vrai, il y a quelque chose à... Il y a un concept. Il y a du génie. Dire. Je vais te servir le premier verre. Ouais, bah, pas beaucoup quand même, parce que... Non, je vais te mettre...
Voilà, je vais te mettre un doigt quand même. Voilà, tiens, s'il te plaît. Voilà. Il y a un petit doigt, quoi. Je suis restée à peu près là. Tu vois, le courage, qu'on met juste ça au fond, mais. Ça sent pas mieux dans un verre. Si vous voulez savoir, ça sent pas mieux. Oh my god, bon, t'es prête? Je suis pas sûre que ça va. Non, je suis pas prête. Plus je le sens, moins j'ai envie d'essayer, quoi. Oh non, ça sent tellement mauvais. Oh. Le truc, on va devoir y aller sans respirer parce que. En apnée, le truc. Bon, t'es prête? Allez. Oh, j'ai peur. Tu fais un shot ou tu prends une gorgée? À mon avis, je vais essayer une petite gorgée quand même. Hein, et après, pour le finir, mais ce sera peut-être en un coup. Ça, c'est possible. Ok, 3, 2, 1. Non, bah c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui. Pourquoi vous buvez ça? Mais un deuxième gorgée, toujours aussi pas. C'est pire. Ouais, en fait, j'ai l'impression de boire du plastique mélangé à de l'eau, je sais pas pourquoi. Allez, on finit? Allez. Celui-là, je te le laisse, hein. Moi j'ai pris les chips, tu te démerdes avec ce truc. Je voudrais même pas l'offrir à quelqu'un dans le besoin. C'est pas gentil, c'est pas le grand service, ça. Bon bah écoute, sur ça, moi je mets zéro. En fait, vraiment, c'est vraiment pas bon. C'est pas imbuvable, mais vraiment, ça. Je sais pas pourquoi est-ce que t'achèterais ça pour le boire. Pas ce temps-là. Non, c'est bon. Moi je reviens en arrière. Ça va pas. Bon bah écoutez, t'as bien mis combien sur 5? C'est même pas sur l'échelle, tu vois. Toi t'as mis 0, ouais. Bah, je vais mettre 1 pour faire l'avocat du bon au lieu de l'avocat du diable ou quoi, je sais pas. Allez, on va prendre une boîte. Parce que j'ai... Ah, du chocolat. Mais oui. Du coup là, on passe sur du salé chocolaté, donc ça, je sens que nos estomacs vont être heureux. Chocoboy, des champignons au chocolat. Pas hallucinogène, hein, au chocolat, vas-y. J'espère. Sauf si on nous a rien dit, tu vois, mais je crois que ça va. Franchement, vendre des champignons hallucinogènes dans un tel packaging, ce serait scandaleux. Ce serait nickel game. T'imagines le nombre d'enfants qui feraient l'erreur ou quoi. Le carnage, quoi. Ouais, ça doit être bon, enfin, j'espère. Tu veux un ciseau? Tu veux une paire de ciseaux, non? Depuis le début, j'essaie de faire en sorte qu'elle n'utilise pas ses ciseaux. Bah oui, moi je suis très. J'aime bien quand c'est bien coupé et tout, et puis t'as la sauvage. C'est pas tellement sauvage parce que moi j'aime bien les ouvrir aussi normalement, mais. Ah, mais c'est trop mignon! Ah, ouais, ça sent super bon en tout cas. Et regardez-moi comme c'est trop chou. Oh ouais! Hop! À l'odeur, c'est agréable. C'est trop mims! Ah, c'est pas du tout comme je pensais. Là, tu vois, là je me sens en confiance quand même. Bah plus que. La boisson. La boisson réunit plus d'aspects positifs, hein, l'odeur est correcte, il a de l'aspect aussi. Prête. Allez. Un biscuit au chocolat. Super bon. Voilà. Ouais. Okay. Ah, c'est super, franchement. Là, franchement, je suis à du 4 ou du 5 sur 5. Hein. Moi, clairement, je mets un bon 4,5. Le 5, c'est les Pocky, parce que les Pocky, c'est... Mais franchement, c'est super bon et j'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, délicieux, pas de déception, le chocolat est bon aussi. Ok, on passe au suivant. C'est parti, je prends le sac. À son tour. Je prends le premier truc que je sens. Oh, c'est marqué Honey Butter Chip, donc des chips au miel. Oh, ça peut être bon. Ça peut être sympa. Je vais l'ouvrir. Ouh. Ah non, arrête. Hein. Un petit peu. Ça me rappelle un truc que j'ai déjà mangé avant. Ouais, effectivement, c'est une odeur. Ah, oh, c'est spécial, les gars. T'as pas été rassurante. Franchement, toi, il faudrait pas. Ouais, il faudrait pas que tu sois la première à tester le vin à table. Parce que les gens autour de toi n'en prennent pas. Ou alors, si, c'est toi qui paye la bouteille, tu seras toute seule à la boire. Hein. Attends, vas-y. Putain, ils sont super grands en plus, leurs chips. Bah, ça ressemble vraiment moi, à des que chips. Ça sent bon. Mais je trouve que ça me rappelle vraiment un truc que j'ai déjà mangé. Bon, ready? T'as triché, t'as vu ça ou quoi? Moi, j'ai un truc de malade. Ok, ça va, c'est bon, on est malade, c'est 2, voilà, voilà. Ah, là, bien, merci. Et je mangerai le petit après que j'ai touché, donc je le garde pour après. Prête? C'est parti. 2, 1. Oh! Moi, j'aime bien. Ah bah c'est meilleur que ce à quoi je pensais. Mais du coup par contre, en faisant des comparatifs, je ne sais pas si ça me fait penser à des biscuits sucrés que j'ai déjà mangé. Ouais, ouais, des chips. Dans ton cerveau, ça pète un peu les plombs. En mode, il sait pas à quoi se référencer pour le comparer, quoi. Il est pas convaincu. Non, ouais, franchement, je me mettrai 3,5 sur 5. Ouais. Pas mal, franchement. Ça vaut la peine, moi. Ok. Alors, une boisson? Bah si, faut pas y couper, hein. Bon, on va pas se mentir, les boissons, bah on en a eu une, elle a pas été terrible, donc on s'en méfie un peu. Là j'ai les deux, une et deux, tu veux laquelle? Droite. Droitière, je sais pas. Oh, c'est une canette, forcément captée. Du coup, je vois milk kiss. New feeling of soda beverage. Attends, parce que moi je vois milk, moi je vois du lait. Milk ça veut dire milk, ça veut dire lait. C'est quand même pas du lait. Bah de toute façon, c'est pas... Donc nous on vous montre, voilà, ok, hein.
Il y a comme ça. Tu as envie de savoir ce qu'il y a dedans, c'est super. Voilà le verso. Hein, tu vois les ingrédients, tu vois ce que tu bois. Hein, parce que moi, pas. Donc... Mais attends, si c'est vraiment du lait, on va manger des chips, ça va être bizarre. Finalement, peut-être que notre estomac ne va pas survivre à cette journée. Quand ça faire autant de mélange. Vas-y, ouvre. Non, c'est pétillant, c'est impossible. J'ai trop peur, j'ai vraiment trop peur. Ça a l'air pétillant. Pauline qui sort, vas-y, un peu. Ça a l'odeur d'un Sprite. Ah oui, ok. Jusque là, je suis plus convaincue qu'il y a 5 secondes. Non. C'est très blanc quand même. Peut-être qu'ils ont mis de la pina colada dedans, ils mettent de l'alcool. Et l'odeur, meuf, elle est pas si bonne que ça. Comment, être quoi? Parce que je réfléchisse à la taille du verre que je vais me servir, elle est pas si bonne que quoi? Ah oui. Putain. Non, moi il s'est mélangé à l'odeur de l'autre. Parce que si je sens la canette, ça va. Mais je sens mon verre. Dans ce mélange de dodo. Je crois que j'ai peut-être allé rincer mon verre avant. En plus, regarde, ça fait un mélange. Je sens que ça s'est mélangé à autre chose. Hein. Vous trouvez pas un nombre, vous allez pas voir. Mais bébé. Ça n'a pas l'air. Oh non. Je dirais boire du dafalgan. T'es prête? Non. Ah si. T'as senti le mien ou t'as la même odeur que toi? Oui. Man. Écoute, on va essayer comme ça. Si vraiment c'est pas compliqué, on les rince avant de réessayer. Quoi. Eh ben. Toute cette histoire pour ça. Parce que ça va. Ça, franchement, c'est sucré. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est comme un Sprite, mais en plus sucré et moins pétillant. Pas mal proche un peu de. T'as déjà goûté de la pina colada? Ah, bah oui, bah voilà, en même temps. Sorry, hein. On me fait travailler avec des gens qui n'ont pas l'expérience du goût. Par contre, c'est assez déroutant de ne pas savoir en fait. De pas savoir ce qu'on boit, c'est vraiment. Ouais, j'avoue, c'est super. On boit, c'est bon ou c'est mauvais, mais on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans parce que même si on voulait traduire, c'est compliqué quoi. Si vous savez traduire, ce qui est marqué là-dessus. Avec les reflets, hein. On veut la traduction avec les reflets de lumière, hein. Voilà. Sinon, ça n'a aucun intérêt. N'hésitez pas à nous dire ce que c'est parce que vraiment, c'est pas mal du tout. On va essayer ça. Il reste plus que des chips. C'est des mini croissants. Attends, sur l'image, on dirait des mini croissants, je trouve. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est vrai qu'on dirait. Ou des coquillages. Ouais, parce qu'ils mettent shell shape snack. Donc ils mettent que c'est des snacks en forme de coquillage. Mais c'est vrai qu'on dirait, des bébés croissants. J'ai hâte, j'ai hâte de goûter, on va voir. Ça va. Ouais, bah ça ressemble à l'odeur de chips aussi. C'est comme ça. Mais j'aurais plus, sucré, ça a l'air d'être plus salé. Ça a l'air de. Attends, je vais prendre. Par contre, coquillage, tu m'excuseras, mais. On dirait qu'ils sont pris une de ces vagues de la figure. Ready? Bah moi ils sont à deux, ils sont un couple à deux, je sais pas trop. T'es prête? Bon. C'est comme les... Il y a un mélange de biscuits. Putain mais il y a du sésame en fait dedans. J'ai vu des bébés petits sésames. Franchement c'est pas le meilleur, tu mettrais combien sur 5? Ouais, 2 ou 3 parce que c'est bon mais c'est pas exceptionnel. C'est pas... voilà. Je préfère les chips au miel ou les premiers chips qu'on a mangés qui ont un côté qui... un peu plus original ou un peu plus transcendant, j'ai envie de dire. Si c'est pas, ouf, franchement je me serais 2 ou 3, c'est pas... voilà. Il reste 2 nourritures et une boisson. Je vais le laisser piocher la nourriture. Ouf, celui-là je... il a l'air un peu mou. Je vais prendre le... Ah, on va rester sur les chips. Alors ce packaging est exceptionnel. En fait elle tient des trucs dans les mains. Et en même temps, on a une image d'autre chose, on a déjà l'impression que c'est deux trucs différents. Pourtant, c'est le même sachet. Tu vois, Drake, elle a signé le paquet, c'est une star en fait. Vas-y, tu peux montrer. Il y a noté churros en dessous, mais voilà, moi les churros de la poire, c'est pas la... ce qu'elle a en main quoi. On voit ce qu'elle a en main. Je ne sais pas. Et puis on voit le. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Il y a noté Kobuk, chips, cannelle, choco, churros. Ok, j'attends la cannelle. Le chocolat aussi n'est pas mélangé, donc on va peut-être tester. Bah, cannelle, chocolat, oui. Cannelle, chocolat, chips. Oui, un peu plus hésitant quand même. Vous montrez quand même l'arrière, même si voilà, je pense que ça ne vous apportera pas énormément d'infos. Mais écoute, vas-y, j'en vais. Ouvre. Oh, j'ai trop hâte de goûter sur le. Tu veux les ouvrir avec tes ciseaux? Oui, s'il te plaît. En plus, c'est moi qui parle. Oui, écoute, oh, la tu vas avoir la joie de couper avec les ciseaux. Tu parles d'une joie. Moi, ça me sache, ça serait assez rigolo. Bah écoute, je t'offrirai des paires de ciseaux pour ton anniversaire. Des feuilles, hein, comme merci, ça. Merci. Ça me coûtera moins cher. Rose pailletée. Ouh, ça fait fort. Oh! Oh my god! Si vous pouvez voir, si vous voyez. Si vous pouvez voir un petit peu. Ça. Ça a l'air sexy, hein. Mais... ouais, tu sens fort le chocolat, attends, la cannelle. Mais d'où c'est des churros? Attends, regardez, c'est tout petit. Écoute, on va goûter, hein. Prête? Ils ont fait sécher leurs churros. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Attends, 1, 2, 1.
C'est aussi un peu comme le chips au miel, je sais pas trop à quoi le rattacher. Mm-hmm. C'est un peu comme la pâte feuilletée. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez déjà mangé, c'est un peu comme une mini pâte feuilletée au chocolat. Avec un goût de petit goût de cannelle. Ouais, le chips casse vite un peu. Franchement, les chips sont fins aussi. Mais... je crois que c'est un de mes préférés, ce que j'ai goûté jusque là. Moi. Vrai? Mm-hmm. Ouais, je dirais 4 sur 5, franchement. Ouais, moi je mettrais peut-être 3. Ok. Parce que c'est quand même bon. Même c'est vrai que c'est pas mal à force. Bon, hein? Avec un petit café le matin. Non, moi je casse depuis tout à l'heure. Je crois que c'est plutôt ça en fait, à force de manger, tu c'est bon, t'en prends. Moi j'aime bien. Alors. Mais voilà, moi je voulais pas prendre celui-là. C'est celui-là que j'ai senti, j'ai pas eu confiance déjà en le sentant. Alors, je pense que c'est des petites gommes. Jelly. Ah, j'ai trop hâte de les goûter, les gars. Alors, par contre, l'odeur, à mon avis, ça va être quelque chose. Hein. T'es prête? Pourquoi les odeurs sont aussi désagréables? Pourtant, ben, l'odeur fait beaucoup de bon coup. C'est sacré. Oh my god. Regarde, il y a une espèce de un petit être vivant qui vient à l'intérieur, c'est trop bizarre. Oh my god. On dirait les... Allez, t'as des souris de toutes les couleurs là. Oh oui, oui. On dirait les souris blanches, mais on lui a glissé un œuf vert dedans, quoi. C'était... Oh, c'est trop bizarre. Vas-y, go. Moi j'aime bien, franchement... Pas mal, ouais. C'est meilleur que je pensais. Bah, franchement, cette dégustation, on a eu quoi? Une boisson vraiment dégueulasse. Dégueulasse, ouais. L'ensemble, le reste, ça va. Ah, franchement, ça s'attendait à vachement pire. Ouais, ils sont bonnes, hein. Pauline, tu as la dernière bouteille, s'il te plaît. Ouf. Ici, on a des explications dans un langage qu'on peut comprendre à l'étiquette. Ouais. Boisson alcoolisée avec saveur de prune. Ah, plume égale prune. Prune. Par contre, on n'a pas les mêmes prunes chez nous, hein. Mais non, elles sont toutes blessées. On dirait des pommes d'amour, en fait. Je crois que, ouais, voilà. Je sais pas trop. Comme elle dit, ça ressemble plus à des pêches qu'à des prunes, quoi. Mais écoute, on va tester, hein. C'est quoi, je t'en mets directement dans ton verre, je ne respire pas. Comme ça, toi. Mais c'est pas... Bon, bah déjà. C'est bon, cabuchon, il faudra peut-être. Hein. Vas-y. Voilà. Ça va se faire un petit peu. Top, 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 top. Eh, picaille. Oh, ça sent super bon. Ouais, c'est super fruité. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. J'espère que ça, c'est pas un alcool trop fort parce que moi je bois pas beaucoup donc. Il y a noté 13%, mais avec 360 millilitres. Bon, on va goûter. Écoute. Allez. Vas-y. Non. Hey. Ok. Première chose, prenez pas une trop grosse gorgée quand même. Sinon, oh voilà. My god! Non! c'est un peu. Mais c'est de l'alcool blanc en fait, c'est ouais, l'alcool blanc pur, un peu comme ouais, quand tu bois une vodka ou quoi comme ça. C'est un peu un goût, tu sais, comme ce que ce qu'on donne chez le dentiste pour te désinfecter la bouche. Non, j'aime vraiment pas, les gars. Ouais, bah, j'ai un peu du mal sur les trucs comme ça, j'ai une réaction très forte, mais ça va. Non, franchement, j'aime pas. À la base, je bois pas beaucoup d'alcool, mais ici, je trouve que ça t'agresse la gorge. Franchement, je. Quoi? Je ne bois pas une vodka pure. Pas attention, hein, mais. Mais écoute, je pense qu'on a fini. Attends, je sais que je suis sûre, mais. On a fini! Ça va, tu Mais j'ai fini! Ok, je vais finir, mais vraiment. Du coup, je crois que je vais prendre un chips au miel pour essayer. Voilà, prends un truc à bouffer. C'est bien là. Moi, effectivement, je prends les chips. Bah, du coup, attends, parce qu'on n'a pas mis de notes pour la boisson, quoi. Ouais. Moi, je mets 0. Franchement. Non, de bien que tu vas pas monter très haut. Moi, pour ce que c'est, je mettrais quand même, franchement, 2 ou 3. Parce que pour ceux qui aiment ce genre d'alcool, c'est pas mal du tout. Parce que oui, c'est un peu fort, mais comme je dis, c'est moins fort qu'une vodka ou qu'une tequila, quoi. Donc ça passe pas trop mal. Ce que je te propose, Pauline, c'est de dire quelle est la nourriture que tu as le plus aimé et le moins aimé. Bah, le moins aimé, c'est la bouteille. moi aussi. Clairement, la boisson au blé, là, il n'y avait pas photo, c'était pas possible. Alors, le meilleur, par contre, j'avoue que ça, c'est sûr. Je peux faire une sous-catégorie salée, sucrée. Oui, ça va. Je vais pas y arriver. On t'aime bien, on t'autorise, ça va. Dans le salé, je pense que simple, vraiment, moi, c'était les chips au miel. Les chips au miel, j'avoue que ça m'a été une belle surprise, parce que j'aime beaucoup le miel. Et du coup, c'est avec les chips au miel, j'ai trouvé ça vraiment super bon. Et dans le sucré, j'hésite entre les petits bonbons qu'on pense être aux raisins sans certitude, on n'a toujours pas de... Ou alors les petits biscuits champignons, ouais. Ok, donc entre ça ou alors, les petits biscuits champignons. Ouais, c'était super bon. Celui-là aussi, je trouvais que c'était
c'est trop bon. Ouais. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Comment ça, la boisson au blé, ça? Non. Mais reprends-en. Mais non. Les churros au chocolat cannelle, je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit kiff dessus. C'est léger, c'est sucré, j'aime beaucoup. Mais en seconde position, j'hésiterais aussi avec les petits bonbons à la prune et les petits biscuits champignons. C'était très très chouette. Et dans ce que j'ai le moins aimé, c'est clairement la boisson au blé qui est vraiment infâme. Je suis désolée. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de nourriture vous intéresserait le plus si vous pouviez la goûter. Je suis trop curieuse. Si vous savez répondre à mes interrogations sur ce qu'il y a dedans et sur ce que c'est, n'hésitez pas, parce que nous, on est toujours en plein questionnement sur le pourquoi du comment. Pauline, est-ce que tu as un petit message que tu aimerais faire passer? Bah, bon appétit à vous. J'ai envie de dire, quel que soit ce que vous mangez, bonne chance. À la prochaine. Exactement. N'hésitez pas aussi à me dire si ce type de vidéo vous plaît, parce que si jamais je pourrais refaire une à l'occasion avec Pauline en testant des nouvelles choses, si tu n'es pas trop dégoûtée. Non, franchement, ça va, parce qu'on a eu beaucoup de chance, je pense. Ouais, vraiment. Caramella, t'as été super gentille, merci. Franchement. Ouais, elle avait peur, mais en vrai, ça va. Tu nous as vraiment bien fait ça, c'était vraiment super bien. Eh bien, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.